hi my name is betty welcome to my channel may peace be with you and today i have a special video for you but first of all i would like to thank you all for the re uh, reception of my previous video um, it was really heartwarming to see people standing behind me saying that the message went through and that they learned something and it, it feels so good to actually be a part of like the discussion uh, and for my experience to actually change the life of others it also really helped me to see i was not alone uh, i also had the occasion to talk about this on reddit uh, on the rd trends subreddit which is a, a really good place one of the messages i received in my private messages was interesting it came from a reporter from switzerland uh, miss julie zog and she's working for le Monts bleu which is a swiss tv spot and she's working on, on a little spot talking about detransition and ROGD, which is rapid onset gender dysphoria. And so she she sought after me. She sent me a message asking me if, she, if I wanted to have a discussion with her, which I agreed to. And this video is this discussion because she would only take a minute or so of the discussion for the purpose of her report, which is good, but I think the whole discussion can be interesting to put on youtube so you guys learn something be mindful that this video is in french but i provided subtitles so be sure to check those out if you do not speak french please enjoy if you have any thoughts again feel free to send me a message um, and share the video if you think it's actually it could actually benefit someone so i hope you enjoy and i see you guys later Même si j'imagine que c'est très très long à raconter, mais le plus brièvement possible, est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu euh, le, le, la période de, de votre vie où vous avez décidé de transitionner d'homme à femme D'accord. Euh, donc euh, pour la garder brièvement, on va, on va passer tout, tout l'enfance, etc. On va, on va directement se, se focaliser sur l'université. Donc il faut savoir que l'université pour moi a été un moment très traumatique de ma vie, dans le sens où j'ai perdu un sens d'identité vis-à-vis de ma réussite scolaire. Pendant toute ma vie, j'ai eu des problèmes avec les autres de niveau, au niveau social, mais la seule chose qui me gardait euh, en sécurité de, des questions existentielles, c'est plus le fait que je me disais ah, ben au moins j'ai l'école pour euh, pour m'accrocher vis-à-vis de, de la vie. Et euh, à l'université, ce, ce sens d'identité a été complètement détruit. C'est-à-dire que j'ai commencé à rater l'université, j'ai commencé à, à, à une vraie perdition, une vraie dépression qui a commencé à se développer. Et donc, il faut, pour moi, dans, ce qui est important de savoir, c'est que je pense que toutes les personnes de la vie euh, arrivent à, un moment, à ce moment précis dans leur vie. C'est-à-dire qu'on perd tous à un moment notre sens d'identité et on n'a plus rien. Et alors, à ce moment-là, c'est là où les vraies questions se posent. Et euh, la question du genre s'est en fait posée pour moi. C'est-à-dire que je me suis demandé, est-ce que finalement, ce ne serait pas mieux de faire une transition d'homme à femme et euh, cette pensée a, a commencé à se développer quand j'ai eu des discussions avec les autres. Et alors, ben, j'étais un peu triste de ne pas pouvoir faire certaines choses parce que je percevais que c'était impossible à cause de mon, de, de mon sexe biologique. Je me disais « Ah, je ne peux pas faire X parce que je ne suis pas une femme. » Et alors, quelqu'un proposait la simple idée « Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une transition ?» Et alors, c'est là où le, le processus a commencé. « Ah oui, effectivement, peut-être que je pourrais considérer ça, peut-être que je pourrais le faire. » Euh, et le, le, la chose fascinante à réaliser, c'est que j'avais des personnes trans dans ma vie. Je, je savais ce que c'était. Je n'étais pas, euh, pas aveugle à la situation. Et, et ça n'avait pas cliqué à ce moment-là, parce que je n'étais pas, euh, pas encore arrivé à ce moment-là de, de, de perdition de l'identité, où, où j'avais encore relativement les choses sous contrôle, etc. Donc la question ne s'était pas posée à ce niveau-là, même si je savais ce que c'était. Et donc. Quelqu'un de logique pourrait dire, ben bah non, pourquoi est-ce que tu est n'as pas commencé à considérer ces choses-là quand la personne t'en a parlé Et là, je pense que c'est ça la, la réponse. La réponse, c'est que je n'étais pas en perdition d'identité. Là, vous avez que quel raison, âge à ce moment-là euh, J'avais 19-20 ans. Même 18. Je dirais même que, là, comment, que les pensées ont commencé à se développer quand j'avais 18 ans. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, OK, je souffre de dysphorie de genre et puis je, je vais explorer cette piste-là euh, c'est vraiment quand j'ai commencé, c'est vraiment ces discussions-là, ou ces discussions où j'ai commencé à, euh, à, à avoir ces discussions-là, vraiment à me dire pourquoi est-ce que je ne ferais pas une transition, et alors c'est là où j'ai commencé à, à en parler à mes proches, à en parler à mon, à mon psychologue, et donc j'ai commencé à en discuter, et alors le, le processus ça a commencé à faire, euh, c'est un peu un domino quoi, c'est... Et euh, alors, euh, donc vous parlez de, de psychologues, de vos proches. Vous avez bénéficié de, de quel suivi ou de quel accompagnement à partir du moment où vous avez émis le, la volonté de faire une transition euh, je, je tiens à dire que ma famille est une famille exceptionnelle. Parce que, euh, en, quand, avec vraiment le, le, le futur, mon futur moi, quand, quand je regarde un peu mon passé, je me dis waouh Ma famille m'a supporté dans un choix tellement risqué et tellement. Tell, tellement incertain que je me dis que ma famille est vraiment une, une famille exceptionnelle. Même avec ma soeur, je mentionne ma soeur parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec elle vis-à-vis -vis de ce sujet-là, même ma soeur qui a exprimé un, un avis tellement négatif vis-à-vis -vis de la question, a fini par se dire, ben bah, écoute, si c'est ce que tu veux, je suis derrière toi, même si je suis contre, et même si je pense que ce n'est pas la réalité. Et je, je, je la remercie profondément pour être dans ma vie, parce que c'est une vraie force de caractère. Quand on fait une transition, ou quand on fait une transition, ou quand on fait n'importe quel changement dans notre vie, c'est là où on se rend compte qui sont les vrais amis, qui sont les vraies vrais personnes les plus importantes, en réalité. Et pour moi, c'est ça m'a profondément ouvert l'esprit sur euh, quel type de famille j'ai. Euh, Vis-à-vis du côté médical, j'ai été euh, d'abord à, à l'enseignement Brûle, l'hôpital le, Brûle, pour discuter tout ça. Et je dirais que c'était peut-être ma seule expérience qui a été un peu un mur. Dans le sens où le psychologue qui m'a reçu a parlé euh, immédiatement de tu vas mutiler ton corps, tu vas faire ci, tu vas faire tchac. C'était une, une discussion assez traumatique pour moi, hein, parce qu'en en, en réalité, ça n'a fait que, que déstabiliser ce sens de, 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 que j'étais certain de ce que je voulais faire. Et donc, c'était un peu la seule personne qui m'a dit réfléchis bien à ce que tu fais. Euh, et donc, ça m'a profondément traumatisé. Ça m'a tellement traumatisé que. Je, que que j'ai fait une tentative de suicide après ça. J'ai vraiment pris un, une boîte de médicaments, je l'ai vidée, je me suis retrouvé à l'hôpital, et euh, pendant un an, bah, j'ai discuté tout ça, et, puis, je, et puis, euh, puis voilà. Et donc je remercie aussi le, le, le personnel hospitalier qui m'a un peu aidé vis-à-vis -vis de ces, ces moments difficiles. Et puis je me suis dirigé vers une, une association qui s'appelle Genre Pluriel une association magnifique. Donc si vous êtes une personne trans en Belgique qui se pose des questions d'historique de genre, je recommande 100% que vous ayez les voir parce que c'est les meilleures personnes, c'est vraiment des personnes assez supportives au final. Et, euh, et ces personnes-là ont été très. Euh, m'ont poussé à faire ce genre de transition. Ils m'ont dit bah oui, fais-le. Si tu veux le faire, fais-le. On met derrière toi. Je vais te référencer à Dr. Van Drome, qui est un, un professionnel à Bruxelles, un endocrinologue et un gynécologue, qui m'a aidé à faire une transition hormonale. Donc, euh, donc clairement, je n'ai vraiment pas eu de, de barrière si ce n'est qu'une discussion assez traumatique avec un, un psychologue euh, avant tout ça. Mais vous étiez déjà majeur. J'étais majeur. Coup, ouais. euh, du coup, la voie est plutôt libre, on va dire, pour les personnes. Oui. Je suis d'accord. Euh, du coup, après, quand vous commencez à avoir euh, l'endocrinologue, euh, quelles sont les étapes que vous allez euh, traverser pour pouvoir aboutir euh, à un changement de genre complet, euh, au fait de devenir femme D'accord. Euh... Donc, il faut savoir que, vis-à-vis -vis de la loi belge, euh, on, on a le droit de changer son... Il y a une nouvelle loi qui a été euh, proposée où on a le droit de changer son prénom et son identité de sexe, même sans transition. Donc, si vous veniez en Belgique et vous décidiez de dire « Ah ben, je ne suis plus, euh, je ne suis plus euh, Madame Zog, je suis euh, Monsieur X euh, », vous pourriez faire ça, sans transition, sans rien du tout. Euh, donc, ça, c'est important à souligner. Et vis-à-vis euh, -vis des hormones, tout ce que j'ai dû à faire, c'est euh, redire encore et encore que je voulais faire ça, que j'étais prêt à faire ça et que je voulais faire ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de preuve, il n'y avait pas de, de papier soulignant que oui, effectivement, j'ai euh, une dysphorie de genre, et rien de tout ça. Ouais, ça, ça c'est ce, qu ce que je crois qu'on appelle la méthode affirmative, donc pas de, forcément de, de thérapie sur un, un long, un, une longue période pour pouvoir mm -hmm. définir si, oui, ou d'après tel critère, etc. Ça, la méthode affirmative, pour vous, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté C'est un, un bénéfice, c'est un désavantage je, je pense que ça dépend vraiment de comment on voit la question. C'est des personnes qui regrettent ce genre de choix pourraient dire effectivement, bah, c'était peut-être pas la meilleure chose. Ce pas la meilleure chose qui était pour moi. Mais euh, moi, je n'ai personnellement aucun regret. Je dirais même que, que j'ai été très courageux pour faire ce genre de choses. Et je dirais que la méthode affirmative, en réalité, ne fait qu'un ne, ne, ne qu bénéfice pour tout le monde. C'est dans le sens où, où peut-être peut-être que c'est dangereux, mais ce n'est dangereux que pour la personne qui le fait. C'est-à-dire que peut-être que ce serait une, discussion, une autre discussion si on discutait de l'éthique vis-à-vis vite vite, de ce que c'est pour euh, faire ce genre de choses vis-à-vis -vis de personnes mineures, peut-être, mais pour une personne majeure, pour moi, il n'y a aucun problème éthique, c'est un choix de vie, et j'ai décidé, moi-même, de mon propre gré, de faire tout ça. Donc, pourquoi est-ce que je serais, euh, pourquoi est-ce que j'aurais du ressentiment vis-à-vis -vis de la profession médicale, qui, au final, n'a fait que faciliter toutes les conclusions auxquelles je suis venu euh, Parce que, qu'on qu se mette bien clair, si jamais on m'avait euh, on, on opposé dans ma décision et qu'on m'avait dit « non, tu ne feras pas ça », Peut-être qu'aujourd'hui, je serais toujours une personne qui me dirait Ah, oh, mais j'ai envie de faire ça. Oh, je... Euh, ça quelque chose qui m'aurait toujours un peu euh, profondément. Bon un, un, un profond besoin euh, que je n'aurais pas euh, satisfait en quelque sorte. Et donc, peut-être que ça aurait eu des, des conséquences assez dramatiques. Peut-être que ça m'aurait causé à faire des choses euh, assez dramatiques. Euh. Donc voilà, je, je pense que, que vraiment, les choses comme elles sont, sont très bien. Et je, je dirais même que c'est euh, la, la voie où on devrait se, tous se mettre. Il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait mettre un, une barrière. Mais dans le sens où, où, où peut-être qu'il faudrait mettre, une, pas ce genre de barrière, mais peut-être qu'il faudrait avoir une discussion. Peut-être avoir une discussion de si, pourquoi est-ce que tu veux faire ça Et un peu discuter de notre mal-être. Et euh, je pense que c'est ça la, 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 vraie, la, la vraie voie où on de, devrait se diriger. C'est plus une voie de, de se prendre de soi de soi-même et pas... Euh, décider de voilà non non t'as pas besoin de discuter tes problèmes non tu vas faire ça ça va ça va régler tous tes problèmes pour moi c'est ça c'est aberrant de faire ça parce que c'est un peu laisser c'est un peu construire un château de cartes qui va se casser à un moment quoi donc euh... est-ce que euh, par la suite vous avez entamé des procédures chirurgicales non aucune Qu'est-ce qui a changé euh, physiologiquement du coup Qu'est-ce que vous avez commencé à prendre des hormones Expliquez-moi un petit mm -hmm. peu comment ça évolue ensuite. Donc, euh, euh, les, les effets des hormones étaient assez, euh, assez gros. C'est-à-dire que j'ai ressenti beaucoup de choses euh, au niveau physio euh, physiologique, au niveau euh, mental. Beaucoup de, de hauts et de bas, euh, beaucoup de changements. Euh, donc, ça, c'est normal. C'est clairement, si, si on veut faire une recherche là-dessus. Les, les, les recherches disent si vous prenez des hormones, ça va, ça va impacter votre, euh, votre cerveau et votre, euh, tout votre système endocrinien qui va vous causer X et Y. Et donc, euh, donc oui, ça, ça a très bien marché. Euh, et euh, j'étais à un moment, peut-être un an et demi dedans, où vraiment, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui, dit, qui pensaient que j'étais un homme, qui, qui, donc qui voyaient que j'étais une femme. Et je pense que, 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 que c'est une bonne chose parce que ça m'a fait réaliser. Ça, en, en fait, j'ai l'impression on on peut pas réaliser cette vraie question là tant qu'on n'a pas arrivé qu'on n'est pas arrivé à ce certain point parce que c'est quand on arrive à sur ce certain point qu'on qu revient un peu à la citation initiale on se demande est-ce que j'ai est-ce que j'ai enfin euh, est-ce que j'ai réglé quelque chose au final et donc c'est un peu un problème de sisyphe dans le sens où on, on pousse une une, une, une pierre de, de, sur un truc et alors on pense dans c'est un mirage en fait on se dit ah quand je vais atteindre le mirage bah, je vais régler tous mes problèmes. Et donc euh, c'est un peu ça la transition, c'est un peu cette, euh, cet espoir qu'on va, qu va arriver à un mirage. Et après, le, quand on arrive à à cet endroit, à ce moment où on se dit, bah, maintenant, voilà, tu, tu as l'air d'une femme, et tu peux très bien décider que tu es une femme pour toujours, et tu peux dire que tu n'as jamais été un homme au final. Et c'est là où on arrive à un moment où, où le mirage n'existe pas, parce qu'on se rend compte, ben bah, non, il y a un problème là, il y a toujours un problème, et je ne sais pas ce que c'est. Et alors, ben, on, peut se réaliser, on peut rationaliser ça en se disant Oui, ben, tu n'es pas, pas arrivé à ton, à, à ton goal, c'est-à-dire que tu devrais faire plus de chirurgie, tu devrais faire plus de ci, plus de tchac. Et mais, mais encore une fois, c'est un problème décisif. C'est vraiment, on, on, on se convainc que c'est ça la solution, alors que peut-être que ce n'est pas du tout ça la solution. Peut-être qu'on n'a pas considéré le, le, les alternatives. Et donc, vraiment, c'est ça que j'ai réalisé. C'est quand je suis arrivé à ce moment-là, je me suis dit Qu'est-ce que j'ai réglé au final Rien du tout. Je n'ai réglé absolument rien de mon mal-être. Absolument rien. Et justement, quels sont, euh, quels sont les points euh, qui vous ont fait réaliser que ça n'avait pas été la solution finalement pour vous que, Comment est-ce que vous vous êtes dit, ah bah non, j'ai pas réglé mon problème euh, ben, Clairement, c'est parce que j'étais euh, déjà en thérapie. Et donc en thérapie, j'avais beaucoup de problèmes de dépression et d'anxiété. Et donc euh, j'étais en thérapie. Et donc, euh, force est de constater que la transition n'a en fait réglé rien du tout. C'est-à-dire que j'ai un, un peu échangé un set de problèmes avec un autre, si on peut dire ça. Et donc, euh, c'est vraiment avec une thérapie et en discutant avec des gens de, de, mes, de mes profonds malades dans mon passé, que je me suis rendu compte, ah, ce n'est pas, pas la transition qui va régler ce genre de problème, c'est plus un, un travail approfondi de soi-même et de, 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 de faire face à ces problèmes, à ces traumas, etc. À dire, voilà, je, je suis prêt à faire face à mes problèmes. C'est ça la, la véritable, le véritable moyen de, de régler ces problèmes, au final. Et donc ça, et plus un, un travail spirituel aussi. C'est vraiment euh, m'asseoir et demander qui est-ce que je suis Qui est-ce que je suis dans ce monde Et donc, pour moi, c'est très important de se, de se poser la question, pour qui, peu importe ce que vous faites dans la vie, c'est que la transition, c'est pour ça que je, je n'ai aucun regret vis-à-vis -vis de la transition, c'est que le, la transition n'a en fait accéléré N'a fait qu'accélérer la question, en réalité. C'est que c'est peut-être que si je n'avais pas fait cette transition, ça m'aurait pris 20 ans pour arriver à ce genre de, 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 de question qui est important. C'est très important de demander qui on est. Et donc, euh, donc, la, la, spiritu la spiritualité m'a aidé à, à me rendre compte que ouais, peut-être que la, la transition n'a pas réglé des grands choses. Et aussi, plus d'un. Une réalisation empirique, c'est-à-dire que quand j'allais dehors, je ne me sentais pas à l'aise. J'avais l'impression que je devais mettre une sorte d'acte, un peu un acteur, dans le sens où, où je, je changeais ma propre façon d'être pour que les gens ne se disent pas ah, peut-être que ce, cette femme n'a pas été toujours une femme. Et donc c'est profondément euh, gênant. Et c'est même, je dirais même que c'est le problème euh, essentiel avec la transition, c'est que au final, ce n'est qu'une illusion qu'on construit pour les autres et pour soi-même. Et euh, c'est un peu un château de cartes, en réalité. Un château de cartes où on se dit, ah, maintenant, je suis une femme. Donc, on construit une, euh, un château de cartes ensemble. Et puis, quelqu'un dit, non, tu n'es pas une femme, tu es clairement un homme biologique. Qu'est-ce que ça fait au final Au final, la personne, tout ce qu'elle a fait, c'est faire, elle a, elle a soufflé sur le château de cartes. Et donc, pour moi, clairement, le, la chose que je faisais, ce n'était pas vraiment me dire, pourquoi est-ce que j'ai construit ce château de cartes au final C'est plus me dire, allez, reprends tes cartes. Voilà, reconstruit, voilà, voilà. Ah, voilà, le château de cartes est reconstruit. Mais euh, ça n'a rien fait. On est d'accord que ça n'a rien fait. J'ai toujours un château de cartes qui peut être détruit euh, en deux minutes. Et pour prendre, votre, pour prendre un exemple avec votre cas, vous êtes une reporter. Imaginons que dans les dix prochaines minutes, vous êtes relevé de votre fonction en tant que reporter. Et qui êtes-vous au final Qui êtes-vous qui êtes Et alors, bah, c'est ça, en fait, c'est un château de cartes qui a été détruit. Et alors, on se demande qui on est au final, qui, qui, où est-ce qu'on va, où est-ce que je vais avec tout ça. Et, et, et c'est là où la, la, beauté, euh, la beauté de la transition et de la détransition vient en compte, c'est qu'au final, j'ai construit plein de châteaux de cartes et je les ai tous détruits. Et, et, euh, et j'ai passé beaucoup de temps de me à construire une vraie maison, une vraie maison avec une vraie fondation, en me disant, voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que, 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 ça que je veux pour ma vie. Donc ça vous a finalement aidé dans une introspection qui aurait pu Exactement. durer des années autrement. Exactement. Je pense que ça n'affecte, ce, ce n'est que accélérer le process, le, le processus de, de existentiel au final. Et avec le recul maintenant, est-ce que euh Enfin, vous dites que vous ne regrettez pas du tout d'avoir fait ça, mais est-ce que vous auriez aimé avoir plus d'informations, avoir des personnes qui vous dissuadent plus ou d'avoir plus de barrières, entre guillemets, pour que ça, que ça soit un peu moins facile Ou est-ce que, justement, je, pour vous, c'était vraiment un passage nécessaire et bénéfique je, je pense que ce serait un manque de respect vis-à-vis -vis de, de, de mon moi du passé de dire ce genre de choses. Parce que euh, je pense que même, même si on m'avait dit tout, tout ce qui était vis-à-vis -vis de la transition et de la des transitions, même si toutes les toutes les choses étaient les cartes étaient retournées en, en réalité, euh, je pense que j'aurais toujours fait la décision. Donc je, je pense qu'il n'y aurait rien du tout qui m'aurait arrêté dans ces décisions. Je pense que c'était inévitable que je fasse ça parce que c'était euh, Peut-être que si on est optimiste, peut-être qu'on pourrait dire oui, mais peut-être que tu aurais pu avoir de la thérapie, peut-être que tu pourrais, aurais pu mettre un, un, un vrai mot sur ton mal-être que tu avais vécu à l'époque. Mais je pense que, que dire ça à une personne qui a 18 ans, qui, qui a raté toutes ses études, qui n'a pas de cercle d'amis et qui a des problèmes avec sa famille, dire ça à quelqu'un dans cette situation-là, je pense que c'est un profond manque de, de, de réalisation de la situation en, telle qu'elle était. Donc je pense que c'était inévitable. Je pense que peu importe. Peu importe, on pourrait changer tous les paramètres, je pense que j'aurais toujours fait ça. Donc je pense que c'est un peu... C'est pas une question qui ne sert pas beaucoup, c'est même une question intéressante, parce que beaucoup de personnes qui font des transitions disent qu'elles regrettent, et qu'elles auraient aimé faire ci, elles auraient aimé faire tchac. Mais je pense que c'est en, en fait important de se réaliser qu'on que ne connaît pas son soi du passé, on ne connaît pas vraiment toutes tous les choses qui se passent dans notre esprit, et peut-être que c'est nécessaire, peut-être que tu aurais fait quelque chose de profondément euh, nocif, si tu n'avais pas fait ça, on ne sait jamais. C'est un peu comme les personnes trans qui disent ah ma vie serait, metteur, euh, la, ma vie serait meilleure, si j'étais une femme biologique. Mais tu ne le sais pas, tu ne, tu ne saurais pas dire ça. Ce n'est qu'une spéculation. En réalité, peut-être que ta vie aurait été beaucoup plus pire si jamais tu avais vécu une, une vie différente. Donc je pense que, que mettre tout ça en relativisme avec, avec enfin, vraiment avoir un point de vue objectif sur la situation quoi parce que c'est vraiment très subjectif de dire que qu'on aurait pu être meilleur c'est plus une je, je pense que ça ne sert pas beaucoup dans le sens où c'est mieux de, de se dire voilà les choses sont passées qu'est-ce que je fais maintenant que, 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 quel est mon, mon prochain euh, ma prochaine étape qu'est-ce qu que je veux faire dans ma vie et donc euh... Justement, en termes d'étapes, si on reprend un petit peu en termes chronologiques, comme ça, on est bien d'accord sur les dates et les âges. Donc, mmh. vous commencez la transition vers 18-19 ans À 20 ans. Le 2 avril, il y a, il y a plus ou moins 4-5 ans, euh, non, il, y a, il y a 3 ans et demi, mmh. c'est là où j'ai commencé ma transition hormonale. Euh, le, le processus avait déjà été commencé, mais là, le 2 avril était vraiment la date où j'ai décidé de, de, de faire une transition. Et puis donc ensuite, vous... pendant trois ans, vous, vous étiez femme. C'est ça. Euh, 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 c'est un en peu revenu. plus compliqué parce que j'ai euh, entamé une transition hormonale et euh, pendant tout un moment, j'étais dans ce, un peu ce genre de situation bizarre où… Un en entre-deux, en... ouais. Un en entre-deux où je me présentais en tant qu'homme mais je prenais toujours des, des hormones. Et donc je pense que vraiment, le, le, le moment décisif où ça a changé, c'est quand je suis rentrée… À l'université, encore une fois, pour euh, l'étude euh, de journalisme. Où là, j'étais présenté euh, à un choix où je me disais, comment est-ce que tu te présentes Et alors, j'ai décidé de faire la décision drastique de dire, voilà, je suis une femme. Et j'ai fait ça euh, vraiment euh, jour et nuit. Quoi. Et c'était une, une, une expérience assez bizarre. Une expérience assez drôle, euh, maintenant que j'y pense. Mais euh, c'est une autre histoire, je, je pense. Donc, pendant trois ans et demi, c'est ça? Mm -hmm. C'est ça, oui. oui hop. Et là, donc, ça fait combien de temps que vous avez détransitionné? Oh, wow, ça fait plus ou moins. Le, le processus a commencé il y a plus ou moins un an, où j'ai commencé à avoir des pensées euh, qu'est-ce qui se passerait si je, si je décidais d'être un homme encore? Ou j'en ai parlé à mon thérapeute, où j'ai un, euh, euh, un peu parlé de ces euh, fantaisies, ou de me dire ah, peut-être que si j'étais un homme, ce serait meilleur. Et euh, là où j'ai commencé à vraiment faire le choix décisif, c'est vraiment il y a un mois, plus ou moins. Un mois où j'ai commencé à faire des expériences vis-à-vis -vis de qu'est-ce qui se passerait si, si je demandais à tout le monde de me préférer en tant qu'homme, qu'est-ce qui se passerait si je coupais mes cheveux, parce que là vraiment, là euh, j'ai ma tête toute coupée, quoi. Et je, j avant j'avais des longs cheveux euh, qui ont tous été euh, perdus dans la tondeuse. Mais euh, là, là vraiment. Quand je considère que quand j'ai coupé euh, tous mes cheveux, c'est là où j'ai fait vraiment la décision radicale de me dire voilà, stop, c'est fini. Je juste décidé que c'était fini. Mais le processus a duré beaucoup plus longtemps évidemment. C'est peut-être difficile à expliquer mais euh, est-ce que vous arrivez à mettre des, des mots sur quels états d'esprit enfin qu'est-ce qui vous ont vraiment qu'est-ce qui vous a vraiment décidé à se dire justement OK, là, c'est radical, c'est le point de non-retour, je vais me couper ses cheveux et puis euh, D'accord, vraiment... c'est quand c'est vraiment euh, un processus avec beaucoup de, de vecteurs, c'est-à-dire un vecteur euh, spirituel, vecteur, vecteur euh, social, vecteur euh, physique. Où je me suis dit euh, non, je n'ai plus envie de ça. Je n'ai plus envie d'être une femme parce que non seulement ça me cause tellement d'anxiété, ça me cause tellement de problèmes au niveau euh, social, au niveau, au niveau mental, au niveau physique. Euh, où, où, où ce n'est plus c est, c est plus possible de, de conserver cet acte en fait, parce que c'est vraiment un acte. C'est vraiment avec respect pour les personnes transgenres, peut-être qu'elles ne voient pas de, 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 de cet œil-là, mais pour moi, c'était vraiment un véritable acte où vraiment plein de parties où, où je conservais un peu ce, mon château-carte, vraiment où j'étais vraiment comme ça avec mon château-carte. Je me disais non, il faut que je conserve mon château-carte. Et après, je me suis dit pourquoi est-ce que tu conserves ce château-carte au final il, il suffit simplement de casser ce château-carte et te demander qu'est-ce que tu veux. C'est la simple chose que j'ai fait et vraiment couper ma tête. C'est un peu. Et ça équivaut à vraiment casser mon château de cartes de manière définitive. Et où je me suis dit, stop. C'est C'est totalement fou. C'est de la folie. Albert Einstein décrivait la folie de faire la, la même chose encore et encore une fois en, en, se, de, en se demandant s'il va avoir, y avoir un résultat différent. C'est ce que je faisais. C'est vraiment ça. Et je me suis dit, non, c est, c est, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et il faut quelque chose d'autre. Ça, ça ne marche pas. Donc. Euh, c'est là où je suis décidé que, que, que ça et l'identité de genre et l'identité en réalité, où je me suis dit stop, fini. Je, je je rejette ça. Et euh, c'est quelque chose de, de, qui est très pensé, assez oriental, de bouddhiste, etc. Où les gens disent que l'identité, au final, ce n'est qu'une une illusion. Et, euh, et c'est vraiment ça qui m'a un peu. C'est ça le déclic. Je me suis dit, c'est ça. J'ai construit. J'ai construit un, un faux sens de l'identité où je, je me suis convaincu pendant toutes ces années que j'étais ça, et, et ça m'a causé tellement de problèmes que qu'au final, je me suis rendu compte que tout ce que ça m'a posé comme problème, et, et, et même même dans le passé, même dans le passé où j'étais euh, attaché euh, à ma réussite scolaire, où j'étais attaché à la musique que je faisais, où j'étais attaché à toutes ces choses, où je me disais non, c'est ça la vérité, mais non. C'est là vraiment clairement le problème, et je pense qu'on fait tout ça dans, dans, dans un certain sens. On, on s'attache très fortement à un sens d'identité qui, c'est pas une prison, enfin, c'est pas, pas la liberté, c'est la prison, c'est vraiment l'inverse. On, on s'emprisonne dans, dans des choses profondément nocives, et je pense que l'identité de genre fait partie de ce genre de prison nocive, en réalité. L'identité de genre est une prison. L'identité est une prison, c'est... C'est peut-être peut très ah, radical ouais. ce que je suis en train de dire, mais euh, mais non, euh... ça s'entend. Euh, comment s'est passée euh, votre euh, détransition Parce que j'ai l'impression, dans ce que j'ai pu lire ou voir ou trouver sur Internet, que pour beaucoup, c'est un peu la peur de devenir le vilain petit canard du, de la communauté ça, ouais. trans euh, derrière. Exactement. Comment ça s'est passé Et, et j'ai un peu vécu ça, c'est-à-dire que j'avais un serveur trans euh, avec des personnes transgenres, des personnes que je considérais mes amis. Euh, où j'ai décidé, voilà, j'ai un peu posé, euh, j'ai un peu fait euh, une photo provocatrice, dans le sens où j'avais posté une photo de mes cheveux coupés dans, dans mon... <laughs> Et donc c'était assez provocateur, c'était vraiment, euh, paf, voilà, j'ai décidé de faire ça. Et alors, ben, euh, des personnes ont décidé que j'étais complètement folle, que c'était un épisode euh, euh, manique, un peu dans le sens euh, vraiment de, 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 de folie, quoi, un accès de folie. Où, euh, où ils ont décidé qu'est-ce que tu es en train de faire. Et un peu les, les gens ont décidé, ont peut-être perçu une, une menace, dans le sens où, où quand tu fais ça, ben, c'est un peu une menace sur l'identité, dans le sens où si jamais tu poses l'idée que la transition n'est pas la véritable solution pour des, tous les maux de quelqu'un, en, en fait, tout ce que tu fais, encore une fois, c'est faire ouf, sur le château de cartes de quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai fait. Je suis un peu le, le grand méchant loup qui a, qui a soufflé sur la maison des trois petits cochons, si on peut se dire si on peut le mettre ça comme ça. C'est un peu la même chose. Et, euh, les et beaucoup de personnes considèrent ça une menace. Avec, à, dans un sens, elles ont raison, parce que c'est la, la menace vis-à-vis -vis de leur propre identité. C'est profondément une menace. Et c'est ça qui est marrant, c'est quand, quand on fait des choix vis-à-vis -vis de soi-même, ça impacte toute la société, un, dans un sens très profond, et ça peut être très dangereux pour, pour les gens. Et donc... Euh, j'ai reçu beaucoup de, de textes assez, euh, avec du, beaucoup de vitriol, dans le sens où ils disaient ⁇ Tu n'es plus une partie de notre communauté, tu es une menace euh, ⁇ Et, et j'ai été euh, banni de cette communauté au final. Et donc j'étais très, très triste, mais encore une fois, comme j'ai euh, dit euh, précédemment dans cette interview, la transition et la détransition, c'est la même chose. C'est là où on se rend compte où, qui sont nos vrais amis, qui sont les vraies personnes avec, qui, qui resteront avec nous, peu importe ce qu'on fait. Et, et la détransition servi qu'à ça c'est de se rendre compte qui sont mes propres amis et qui sont qui sont un peu les personnes qui me considèrent comme une, une partie de leur château de carte dans un certain sens c'est un peu la double confirmation de qui tient vraiment à, à vous ça, ou oui. personne, quoi. exactement c'est un peu c'est un peu la même chose c est, c est, je, je pose une, une menace euh, identitaire aux gens la détransition est une menace identitaire dans ce sens là et c'est pour ça que la détransition, je pense, est un sujet tabou. Parce que c'est parce que remettre en question beaucoup de choses. De, même pas de manière explicite, parce que je n'ai jamais, euh, jamais dit que la transition n'est pas, pas correcte. Tout ce que j'ai dit, c'est que la, tra la transition n'était pas un choix qui m'a rendu heureux de, de manière profonde. Mais c'est aussi un message euh, implicite que peut-être que pour certaines personnes, peut-être que pour toi, la, la transition n'est pas correcte aussi. Et donc c'est un peu un, un véritable effet domino, quoi. Et pour moi, c'est ça un peu la, la, véritable, la véritable tristesse dans, tout, dans tous ces sujets-là, c'est que ma, transi, ma détransition est un peu un acte de menace identitaire, mais aussi un acte politique dans un certain sens. Parce que beaucoup de personnes, soit disent, oh, tu me poses, une, tu poses une, une menace identitaire vis-à-vis -vis de, de, de ma transition, tu es l'ennemi. Ou alors, dans le, 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 le spectre euh, opposé on a des personnes qui disent, c'est la preuve que la transition est un mauvais choix, on devrait interdire aux gens de faire une transition, et on se retrouve dans une situation de folie, c'est un, une véritable folie sociale, dans, dans le sens où, où un choix que j'ai porté sur moi-même a des répercussions a, énormes sur notre société, et c'est ça qui est assez génial, parce que moi j'aime bien le chaos, je, je, je n'ai aucune honte de le dire, mais c'est là où j'ai rendu compte que mon choix n'est en réalité que je n'ai fait que fragmenter la réalité. Et donc, ça, ça c'est euh, euh, profond. C'est un peu se dire, waouh, j'ai causé tellement de, de répercussions sur notre qualité que, que des gens se sentent euh, obligés d'utiliser mon expérience, euh, soit en tant que défense, ou soit en tant qu'attaque. C'est fou. Hein. C'est vraiment très fou. Comme, euh, on vit dans un monde de fous. J'ai l'impression. C'est drôle. Est-ce Est que euh, vous estimez quand même que votre détransition a peut-être été facilitée par le fait qu'il n'y a pas eu de chirurgie euh, plastique Oui. C'est un peu... Euh, comment expliquer ça C'est un peu comme, euh, comme si euh, on venait, à, par exemple, à, à poignarder quelqu'un. Euh, imaginez, c'est un exemple assez bizarre, hein, mais imaginez, vous vous amenez à, à poignarder quelqu'un. Et après, vous pensez, oh, si jamais elle, la personne euh, recouvre de ses blessures elle dira que c'est de ma faute et elle dira que et je serai emprisonné pour tellement d'années. Et alors, ben, la, une pensée assez, euh, assez euh, perverse qu'on pourrait avoir, c'est de dire autant finir le travail, autant finir le travail, ben, comme ça, ben, voilà, au moins c'est fait et puis, euh, et puis la personne ne pourra jamais rien dire. C'est un peu la même chose ici, c'est que quand j'ai fait, si, si jamais une personne fait une transition et arrive à ce point-là où elle fait une chirurgie et qu'elle la regrette, elle se dit, ben, on, est, on est trop loin au final, autant finir, le, autant finir le, tout le tout processus, pourquoi pas et donc, c'est un peu, un, peu une, un, un point de non-retour, c'est ce un point de retour euh, psychologique. On se dit, bah non, on s'est fait, bah, autant finir le travail. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Pourquoi est-ce je... est que vous, vous avez choisi de ne pas faire de chirurgie si ce n'est pas trop indiscret euh, Parce que, bah, euh, que j'aime bien mes parties génitales, ouais, vraiment. Et c'est euh, et, et ça qui est très dangereux. Est ça qui, la, les, et vraiment, si des personnes transgendres écoutent ça, j'aimerais bien qu'elles écoutent attentivement c'est de réfléchir à qu ce que vous faites. Ne, ne, ne cédez pas à une, une pression sociale de faire quoi que ce soit sur votre, votre corps. Parce qu'au final, tous ces, toutes ces chirurgies au final ont, une, ont, ont un vecteur social. C'est se dire, si jamais je prends des hormones, je serai plus accepté par la société. Si jamais je fais une, une chirurgie vis-à-vis euh, -vis de, de mes parties génitales, je serai peut-être plus accepté vis-à-vis -vis de mes partenaires, partenaires sexuels. Et c'est très, très dangereux de se poser ça parce que vous prédiquez, tout vos, vous faites un prédicat sur tous vos choix vis-à-vis -vis de l'acceptation des autres. Et c'est complètement quelque chose qui peut détruire complètement la vie de quelqu'un, dans tous les sens du terme. Vous pouvez faire des choses terribles sur votre corps, sur, sur la pensée que peut-être que les gens vous accepteront plus. Et c'est ça là, le véritable danger, parce que c'est ça que j'ai pensé à un certain moment c'est me dire pourquoi pas faire une chirurgie euh, à ce niveau-là parce que, pourquoi pas, parce que je serais peut-être plus accepté par mes partenaires, peut-être que les gens me diront plus « Ah, tu rentres les deux, non, c'est pas correct euh, », des choses comme ça. Et, mais, et au final, j'aimais bien mes parties génitales, je n'ai aucun problème, et même, j'aime bien avoir ces parties génitales, c'est ça le pire. C'est le pire que même si on apprécie des parties de soi-même, on arriverait à la conclusion que c'est mieux de les enlever parce que ce serait plus ac euh, acceptable au niveau social. C'est quelque chose de profondément qui peut détruire la vie de quelqu'un. Et c'est très important de réaliser ça. C'est de se demander, qu'est-ce que je veux Qui je suis et qu'est-ce que je veux et, et enlever tout ce vecteur social d'acceptation, de qu'est-ce que les gens vont dire, euh, c'est vital. C'est vital. Sans ça, on, on, on va à notre perdition. On, on se détruit. C'est inévitable. Ouais, c'est super intéressant ce que vous dites. Euh, justement, vous parlez de, de pression sociale, etc. J'en viens du coup maintenant à, à, à un autre thème euh, qui est le, le rapid onset gender dysphoria. Euh, mm -hmm. Ça, est-ce que vous êtes familier avec ce terme Et si oui, comment est-ce que vous l'avez découvert J'ai entendu beaucoup de ce terme. J'ai découvert ça, ce terme vis-à-vis -vis, euh, quand, quand les euh, ce qu'on appelle les gender criticals. Donc les gender criticals, bah, c'est ce que j'expliquais de, de l'autre système du, du, du spectre. De, 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 de choses vis-à-vis -vis des personnes transgenres c'est des gens qui disent l'identité de genre est, est une illusion et on devrait interdire les gens à faire une transition. et donc c'est ce genre de personnes qui sont venues avec ce genre de termes euh, pour expliquer pourquoi est-ce que les gens font ça au final pourquoi est-ce que les gens font ça au final. mais pour moi ce genre de termes euh, peut-être que dans, dans l'absolu et dans l'objectif dans ce n'est pas c'est peut-être une vraie question une vraie question une vraie euh, une vraie hypothèse mais ce qui est important à réaliser c'est que cette hypothèse est née de gens qui veulent détruire des autres et pour moi c'est complètement inacceptable dans un sens où où, où c'est des gens qui, vraiment qui sont qui ont vraiment une pensée tellement pathologique qu'ils essaient de détruire les, les autres alors qu'au final on, on, je n'ai pas d'ennemis personne n'a d'ennemis on est tous là dans, le, dans cette planète on essaie de de, de vivre euh, une vraie expérience et donc pour moi, pour moi ce genre de terme j'essaie de' m'en je, détacher j'essaie d'expliquer avec, avec euh, précision qu'est ce que j'ai ressenti et pas me dire et pas essayer de classifier ça en tant que oui euh, euh, ça et, mais, mais qu'on soit bien clair je n'ai aucun problème avec le terme je, 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 je dénote simplement le fait que certaines personnes utilisent ce terme pour essayer de, de détruire la vie des autres et pour moi c'est vraiment complètement inacceptable complètement inacceptable ça, c'est un, un fait, effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent de manière très péjorative ou pour cataloguer les gens dans quelque chose de, de négatif, finalement. Mm -hmm. Mais si on prend vraiment juste le, le terme dans son concept pur, qui est ce développement rapide d'une dysphorie de genre, peut-être des fois influencé par euh, des pairs, euh, des réseaux sociaux, euh, des gens autour de nous qui... Euh, qui nous font peut-être miroiter aussi euh, que la vie est tellement meilleure maintenant que j'ai transitionné sur YouTube ou des choses comme ça. Est-ce que, euh, est que ça, pour vous, vous pensez que vous avez été dans ce cas-là à un moment donné Oui, oui. Je, je pense que, que quasiment la totalité des personnes transgenres font partie de, de, de ça. Et, et en, en réalité, ce n'est qu'un phénomène euh, humain. On veut, on veut se sentir accepté. On veut sentir que ce qu'on fait est, est bien. Et donc, quand on n'a pas de... Quand on n'a pas ce sentiment profond que ce que je fais est bien, je le fais avec la bonne intention, on se tourne, on se tourne à la société. C'est un, un phénomène psychologique normal. On veut se sentir accepté dans la société. Et donc, beaucoup de personnes transgenres commencent à ressentir ce genre d'envie de, d'inconcurrence de, de genre, euh, se retournent vis-à-vis -vis de, des réseaux sociaux, des amis, de la société. Et donc Soit, elles, 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 soit on leur dit non, tu ne devrais pas faire ça, c'est horrible ce que tu fais, c'est moralement inacceptable. Soit elles se disent ah, oh, mais c'est horrible, c'est horrible que je veux faire ça. Ou alors, au contraire, on a des cas où on se retourne vers YouTube, où il y, y a des gens qui disent voilà, ouais, moi j'ai fait une transition, ma vie est géniale, ma vie est ci, ma vie est tchac. Et on se dit ah, bah, peut-être que, peut que je peux faire la même chose. Peut-être que je peux arriver à ce, à, à ce mirage, encore une fois, à ce mirage de, de, de bonheur. Et donc, je pense que. Que, que plus que, que, plus, euh, que ce terme-là, c'est vraiment un phénomène beaucoup plus large dans le sens où on essaie de se rechercher. Et, et là où j'en arrive, c'est que je pense que les réseaux sociaux sont très, très nocifs vis-à-vis -vis de ce, ce côté-là. Pas au niveau du support euh, du, de l'humain, mais plus que, que dans le sens où on voit la, la meilleure partie des, des autres et on, se, et on commence à avoir une véritable anxiété existentielle vis-à-vis -vis de notre notre propre personne, euh, je réfère à une, euh, une étude qui a été faite sur, euh, sur un campus, euh, je ne me souviens plus si c'est américain ou... ça n'a pas d'importance. Mais une étude qui a été faite sur un campus, quand Facebook est apparu en premier, ils ont fait une étude sur l'état psychologique des gens qui utilisaient Facebook. Et le résultat de cette, euh, de ce, de cette étude, c'est que 80% des gens exhibent beaucoup plus de, de, de phénomènes d'anxiété. Et alors, le, la, le, le résultat que cette étude a, a fait, et, et un peu la, la thèse que cette étude a, a posée, c'est que les, les réseaux sociaux euh, en, nous rendent anxieux. Et, et je pense que c'est vraiment ça, en fait. C'est plus le fait de voir que des gens sont heureux et de se dire Ah, peut-être que je devrais changer quelque chose vis-à-vis -vis de ma vie. Peut-être que je devrais être euh, montré que j'ai plus. Euh, et c'est la même chose avec la transition de genre. C'est de voir, ah, mais cette personne est beaucoup plus heureuse que moi et elle a fait une transition. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas la même chose Et c'est un peu. Ça dégringole. Et en fait, c'est vraiment. Je ne dirais pas que c'est quelque chose de nocif. Mais ça parle plus à un mal-être euh, existentiel de la personne qui commence à, à, à dégringoler ce, ce chemin. Quoi. Et, et vraiment, si jamais je vois quelqu'un qui serait dans ce cas-là, c'est si de poser. C'est quoi ton problème au final Qu'est-ce qui te rend malheureux dans ce monde Qui te fait que, que, tu, que tu as tellement cette envie de devenir quelqu'un d'autre C'est ça en fait. C'est La transition, c'est ça. C'est un, un malaise tellement profond avec qui on est qu'on veut devenir quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est ça. C'est entièrement ça. Parce que, euh, du coup, si, si je vous raconte un petit peu euh, pour le reportage que je vais faire. Euh, le fond du, du sujet, c'est qu'à la base, j'ai reçu l'appel d'une maman qui est complètement paniquée parce que sa fille euh, bah, veut faire une transition euh, mm -hmm. female to male. Et euh, à 16 ans, elle lui a dit euh, Maman, je suis non-binaire. Et mm -hmm. six mois après, elle lui a dit En fait, maman, je suis un homme. Mm -hmm. Et maintenant, euh, ben voilà, donc elle, elle a 17 ans, elle n'est pas encore majeure. Mais euh, en Suisse, euh, du coup, il y a aussi cette méthode affirmative. Et puis, dès 16 ans, il peut y avoir pas mal de choses qui sont déjà engagées. Donc elle, elle est déjà, quelques mois maintenant, après avoir annoncé qu'elle qu qu voulait faire une transition, euh, elle, ben du coup, elle, elle, est, elle est toujours lancée dans, dans ce processus-là. Elle est suivie mmh. par un pédopsie qui a l'air de la suivre dans ce sens. Et elle a aussi trois autres copines qui sont dans cette même démarche. Et okay. les parents se posent beaucoup de questions. Et du coup, voilà, sont toujours en train de brandir le fait que ce soit ROGD, et qu'il mmh. faut qu'il y ait des garde-fous, des choses au niveau administratif et au niveau médical qui puissent les empêcher de faire une transition qu'elles regretteraient mmh. par la suite. Euh, ce type de personnes-là, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire sont, si vous avez des tips ou des choses comme ça euh, euh, Je ne sais pas. Euh, je vais prendre une scène de, de Avatar. Je ne sais pas si vous connaissez Avatar, le dernier mètre de l'air. Donc, il euh, y a une scène très qui m'a tellement profondément touché dans, dans toute cette série. C'est vraiment le moment où euh, Zuko, donc vraiment euh, le, le méchant, le méchant de la série à ce moment-là, qui capture l'avatar et qui capture euh, l'animal de l'avatar. Et alors, bah, son, son oncle Hiro, qui arrive, euh, qui, est un, qui, est un, qui acte un, un peu en sorte de, de philosophe ici, qui, qui lui pose toutes ces questions pourquoi est-ce que tu fais ça pourquoi est-ce qu'au final tu t'es tellement décidé que c'est ça qui c'est ça qui tu es c'est ta destinée et c'est ça que tu devrais faire et il lui pose cette question tellement profonde et tellement changeante qui m'a et ça me touche toujours d'en parler c'est il lui pose la question qui es-tu et qu'est-ce que tu veux et c'est ça en fait c'est ça que je et je dis la même chose à ces personnes qui entament une transition qui es-tu et qu'est-ce que tu veux pas dans le sens pas dans le sens euh, oui je veux une transition etc non vraiment se poser la question s'asseoir et qui est-ce que je suis dans ce monde Qu'est-ce que je veux dans ce monde Et qu'est-ce qui me motive Et pourquoi Et se poser vraiment la question profonde des raisons pour lesquelles on est arrivé à cette conclusion qu'on doit faire une transition. Et encore une fois, je ne dirais, je ne dirais même pas que, que la transition est, est quelque chose de d'erroné, que c'est une, une, une erreur. Pas du tout. Et même, je dirais même l'inverse. Je dirais même que si, ça te, peut-être que ça changera profondément ta vie et que tu arriveras à un moment... Ou tu es dans une situation similaire à la mienne, où tu te dis, bah effectivement, la, mon sens d'identité que je me suis construit n'était pas forcément la vérité. Mais, mais vraiment, se poser la question, c'est ça la, la question la plus importante qu'on peut se poser à chaque instant de notre existence. Qui on est et qu'est-ce qu'on qu qu veut et, euh, et vraiment, je pense que c'est ça. Et aussi, vraiment, passer son temps à enlever tous ces, toutes ces choses qu'on assume être vraies de notre identité. Donc vraiment enlever l'identité de genre, et enlever qu'est-ce qu'on poursuit comme études, enlever notre famille, enlever notre, notre, euh, nos amis, et s'asseoir et se demander, sans tout ça, qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux C'est vraiment un ça travail de, de, de déconstruction finalement de tous les carcans sociaux et puis familiaux et traditionnels finalement qu'on peut ça. avoir. C'est ça. Et puis ensuite, quand on a, parce que c'est des châteaux de cartes au final, quand on a cassé tous ces châteaux de cartes, on peut à ce moment-là construire une vraie identité, un vrai sens de soi, un vrai sens de qu'est-ce qu'on qu qu veut faire dans ce monde-là. Et, et même si on arrive à la et je ne dis pas que quand tu fais ça la, la transition est, est, un, est 100% dans tous les cas un, une décision qu'on va regretter au final. Non, peut-être que peut-être qu'au final on se rend compte qu'on aime bien les effets euh, les effets de, des hormones, etc. Ce que j'ai vu, j'ai vu des personnes qui ont fait une, des transitions mentales mais pas physique. C'est-à-dire que, ouais, bah non, je prends des hormones, euh, je suis peut-être un homme biologique, mais j'aime bien les effets. Et pour moi, c'est OK. Je vois pas le problème avec ça. Parce qu'au final, on a, on, on a résolu le problème. On a résolu le problème. OK. okay. Écoutez, j'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter, peut-être que j'ai pas abordé euh, sur, euh, sur ce thème qui est vaste Non, j'ai plus une... Euh... Quelque chose de marrant à proposer aux gens qui, qui, qui pourraient regarder ça. Une expérience. Une expérience, et ça, vous rend, ça pourrait vous, vous faire réaliser à quel point tout ce genre de choses est complètement inutile. Faites de l'expérience pendant une semaine, vous changez votre nom et vous changez votre sexe. Par exemple, vous dites Je m'appelle Robert et je suis un homme. Faites de l'expérience pendant une semaine et vous rendrez compte des choses qui changent. Et peut-être que ça va vous faire réaliser à quel point certaines choses ne sont pas utiles vis-à-vis -vis de l'identité. Ça peut changer votre vie, peut-être pas. C'est une expérience. Même pas besoin de prendre des hormones. C'est une expérience qui ne requiert rien du tout, si ce n'est le fait que de la faire. Et peut-être peut la honte sociale. Mais franchement, je vous le dis clairement, j'en je, je, ai rien à faire de ce que les gens ont, dit, ont à dire. Je, rien à faire.